Salut à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. C'est parti pour la vidéo de la Tour Eiffel. Les amis, en juin 1884, deux ingénieurs des entreprises Eiffel, Maurice et Émile, respectivement chef de bureau et chef d'études, se penchent à leur tour sur un projet de tour métallique de 300 mètres de haut. Ils espèrent pouvoir en faire le clou de l'exposition universelle de 1889 qui se déroule bien sûr à Paris. Et donc ils vont faire plusieurs croquis, ils vont faire des croquis plus ou moins élaborés. À force de faire des croquis, des études, ils vont arriver donc à la tour Eiffel qu'on connaît aujourd'hui, tout en soumettant les plans au fur et à mesure à Eiffel pour savoir s'il était d'accord, s'il aimait. Donc il a aimé le concept, mais il fallait faire des petites retouches. Donc du coup, il y a toujours eu des petites retouches. Et il faut savoir qu'au début, ce qui était prévu dans le premier croquis, c'est pas qu'il y ait que deux étages, c'est qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. 6 étages sur 300 mètres de haut, donc ce qui faisait quand même assez énorme pour l'époque, mais ça a été rectifié par la suite. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la chaîne. Allez, ciao, bye bye, peace.